Chers amis de la Radio Caraïbe, nous comptons avec vous comme d'habitude pour premier sorti carnet sportif là. Donc jeudi à et nous connaissons déjà mercredi et d'abord tout décor toujours bel et bien planté dans ça qui gagne rapport à une série d'informations une plus importante que l'autre, mais nous allons faire une pyramide parce que et nous connaissons hier et gagné Megastar nous t'es performé notamment dans la Ligue des Champions européennes, mais une Ligue des Champions européennes qui vraiment annoncé la couleur parce que c'est une grande première pour une Megastar haïtienne donc Melchidael Dumorné. Mais bien avant qui t'en saluer et Anse Élisé Junior Saint-Ange, mais également Jeff T. Joseph, Dalmir Bergiste, équipe là qui est nombreux et qui toujours eux même accompagner nous sur le plan technique pour nous capable porter toute dernière information pour grand public là. Et donc, on n'a pas avancé pour nous voir comment ça a été, parce que hier, dans le quart de finale aller de la Ligue des Champions féminines, eh bien, Benfica a mené 1-0 sous l'équipe lyonnaise là. C'est un goal qui marque par Faria à la 43e minute, mi-temps fini, et 1-0 en faveur de l'équipe locale là, qui c'est Benfica. Et nous, on a vu, chers amis, une équipe lyonnaise qui t'a pas entré en matière suite à Melchidael Dumorné de son sobriquet Corventina, lui-même qui t'a pas remplacé et une française et n'a noté c'est Eugénie Le Sommer d'Auxerre 9 équipe là à la 55e minute et bien 8 minutes après et un ballon de la droite vers la gauche Corventina recevoir en passe et Jean le recevoir passe là lui montrer le pour aller à droite et puis lui font passe intérieur pied droit pendant lui pas garder ballon hein. C'est un passe quasiment aveugle et servi et une joueuse comme Dascarino qui c'est une française qui marquait goal égalisation hein. C'est déjà en pile joie et Corventina a montré normalement que place lui pas sous banc et l'été toujours été dans la même ligne, mais nous avons le Lyon marqué un deuxième goal et gagné 2-1. Donc, Corventina, en long et en large, l'été contribué dans l'égalisation et également permettre l'équipe Lyon arriver à gagner 2-1 dans le quart de finale aller de la Ligue des Champions féminines. Donc, c'était vraiment important pour nous, c'était important pour Haïti, pas parce que c'est Ligue des Champions féminines, mais c'est parce que nous gagnons une joueuse haïtienne passée de présentation qui continue à hisser le drapeau à très haut. Donc, c'est le devoir pour nous fixer projecteur nous sous match football Sahara qui c'est quart de finale aller. Donc, retour à la fête le 27 mars, côté Lyon à domicile, là pour jouer contre Benfica de Lisbonne. Mais nous noté prochain match là, c'est pour le week-end ça, soit samedi, Lyon a un déplacement pour rencontrer Lille. Non, ça qui a rapport à championnat français. Donc, ils jouent deux matchs par semaine, donc c'est vraiment haut niveau. Parce que un footballeur professionnel n'a pas joué presque un match par semaine. Mais un ou deux matchs par semaine, la santé à répondre. Donc, il permet de gagner beaucoup plus de rythme et d'avancer beaucoup plus. Nous avons toujours été sur le plan local. D'abord, Haïti, dans le week-end, ça, soit le 23, jusqu'à samedi, Haïti a rendez-vous à Guyane française. Guyane française qui c'est et une sélection qui a accueilli nous dans le cadre d'un match amical, ça nous relève les trêves internationales de la FIFA. Donc Haïti a gagné pas mal de difficultés. Il faut que nous disions ça clairement pour Haïti qui chargeait difficultés. Qui difficulté a gagné? D'abord, tout dirigeant qui est ici n'est pas capable de quitter le pays. Ils ne sont pas capables de quitter le pays. Raison simple, c'est que nous connaissons avion pas volé depuis plus d'une semaine dans le pays. Ça a vraiment des difficultés, mais nous sommes capables vite remarquer tout que et malgré ça, donc il y a une activité qui fait, ni fait mais malement. C'est que t'es doué gagner peut-être des membres du comité de normalisation. Hein. Et pourquoi pas l'autre monde qui formait staff management et fédération, hein,
qui te doué yo même aller Guyane française et accueilli yon partie et même deuxième partie de délégation. Mais ça pas arrivé fait. Nous connaît toute difficulté déjà parce que gain 5 joueurs qui te fait partie de groupe que Sébastien Minier, nouveau sélectionneur, nous lui-même t'es convoqué. Et c'est bien malheureux, joueur local, yo, yo pas capable parce que Fokou normalement t'es allé prendre visa d'outre-mer et l'ambassade de France et nous connaît difficulté au plus bien que moins. Donc nous pas capable de compter sur yo. Mais en grande partie, gagné yon bagatelle de 13 joueurs qui déjà foulé sol guyanais. Et parmi eux, nous sommes capables déjà parler ou de Duken Stazon et Franzi Pierrot qui arrivait hier. Gagné également et François Dulis, Jean-Kevin Duverne, Martin Expérience, Steven Seyance, Danley Jean-Jacques, Didson Lucius, Mondi Prunier, Dani Jean. Et il y a trois gardiens tout crivé et c'est Alexandre Pierre, Josué Duverger et Tonial Garin. Donc c'est une liste de 18 joueurs qui arrivaient hier sous sol guyanais comme on connaît. Lors pour jouer un match et surtout un match amical mais quel que soit match là et où doit arriver sous sol la 48 heures et pourquoi pas 72 heures avant et les comme ça li mieux et pour capable gain temps faire quelques et séance d'entraînement en groupe ou comment pour jouer nos statuts équipe là mais gagner reste délégation hein, surtout joueur yo cap foulé sol guyanais plus précisément à Cayenne et jodi liste là monde qui t'a dû arriver gain Cédric Toussaint gain Fabrice Pico Garvin Metoussala Schneider Borgelin Schneider Borgelin nous t'ai gain occasion pour nous parler de lui ici d'abord là dans Inter Miami ses coéquipiers de Lionel Andrés Messi Sergio Busquets Luis Suarez et Jordi Alba donc pour nous citer monsieur Sao seulement et gagner Jean Belmar Joseph Jelen André Vilsain donc c'est liste et moun qui t'a doué rivé ça cap fait nous un nombre de 19 joueurs cap présent pour Haïti non. Ça cap important pour nous donc li important pour nous te font passer sous ça c'est bien malheureux nous pour qu'on mesure pour nous ba horaire respectif match Haïti à samedi mais seul ça capable dit nous dans décalage horaire là c'est que Guyane française gagne une heure de temps en plus Haïti ça veut dire dans moment n'a parlé là les 10h10 dans matin pour nous en Haïti et bien les 11h10 dans matin pour monde qui Guyane. Donc Haïti, Guyane française, c'est premier test match pour nouveau sélectionneur nous. Et déjà Haïti l'a préparé les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. N'a rappelé bien qu'a fait dans trois pays, Amérique du Nord, le Mexique, le Canada et les États-Unis. Donc en gros, n'a gagné pour nous porter plus d'informations. Donc demain, dans et premier carnet et pourquoi pas jeudi à notre deuxième et troisième carnet sportif là donc on a besoin de plus ample d'informations sur sélection nationale là qui au rendez-vous week-end là même j'ai à toute l'autre sélection dans le monde là ça cap jouer éliminatoire ça cap jouer tout barrage mais nous pour aller dans CONCACAF là parce que gain deux matchs qui important et d'ici important dans CONCACAF là parce que nous connaît et Copa América la fête aux États-Unis c'est avec un nombre de 16 pays donc 4 groupes de 4 mais n'a noté groupe yo poko au complet notamment groupe A et groupe D et normalement nous pral permettre à Ansley Elise lui-même pour capable forward et groupe qui manquait yo la important car du 21 juin au 15 juillet donc ces dates qui programmées et pour et Copa América en fait malheureusement et dans Ligue des Nations résultat n'est pas trop bon donc nous pas compter sous question Copa América pourtant nous capable dire en 2016 dans Copa Centenario donc Haïti était présent et nous songeait bien Haïti nos matchs barrage qui était joué en janvier 2016 côté gagnant et un joueur qui c'est un Léo Ganet. Et malgré vous me rappelez non c'est Pascal Millien. Bon me songe non Pascal Millien, c'est monsieur qui t'a marqué grand goal dans barrage là contre Trinidad et le ça a plus gros difficulté que t'a gagné. Haïti pas capable de compter sur joueurs européens yo. Donc yo t'a pral faire une équipe avec des joueurs locaux mais également des joueurs qui ont évolué en Amérique. Et bien
Nous avons Pascal Milien, en dans terrain, nous pas capable d'oublier un joueur comme Sébastien Turier qui était là. Et donc, le SAN était présent dans la Copa Centenario qui était faite à 16 pays. Et c'est pour la deuxième fois que la Copa América pourrait dérouler avec 16 pays. Mais encore une fois, c'est aux États-Unis. Donc, États-Unis. Donc, l'important parce que San Bralwell Ali, important, il y a deux matchs qui sont programmés samedi. Et Canada a rencontré Trinidad et Tobago. Il y a eu pour compléter groupe A. Il y a un groupe A qui gagne la Danie, l'Argentine, le Pérou et le Chili. Donc Canada ou bien Trinidad, après match barrage qui a joué samedi, on connaît qui est qui a complété le groupe ça. L'autre groupe qui peut complet, c'est le groupe DA qui gagne le Brésil, le Paraguay et la Colombie. On a noté que Honduras, Costa Rica pourraient jouer un match barrage entre eux. On a noté tous les deux matchs, ils ont joué le même jour. Et ils n'ont pas joué dans la même heure, mais ils ont joué dans le même terrain. C'est dans Toyota Stadium, non, à Texas. C'est là que deux matchs ont joué. Et premier, c'est Canada qui a joué vers les 3 heures. Un peu plus tard, on a capable Honduras, Costa Rica pour compléter le groupe. On connaît Tizeyo Remesa. Donc, groupe B a gagné Mexique, Équateur, Venezuela, Jamaïque. Et puis, groupe C a gagné États-Unis, et Uruguay, Panama et la Bolivie. Donc, en gros, nous avons souhaité rejouer Copa América, mais malheureusement, le résultat n'est vraiment pas de en faveur nous. Donc, et c'est ça qui gagne comme toile de fond et importance dans la zone CONCACAF, bien que nous pas la donné, c'est un petit match amical que nous allons jouer, mais si toutefois nous avons bien travaillé, au moins nous sommes capables de jouer barrage et espérer aller dans la Copa América, étape importante pour Haïti. En nous avancer pour nous voir l'autre information qui a dominé l'actualité, nous allons aller notamment dans le basketball, mais c'est basketball, Jeux Olympiques. Et États-Unis, nous connaissons le roi du basketball international, le roi du basketball des Jeux Olympiques, parce que États-Unis était sous quatre, bon, on est capable de dire c'est quadruple tenant du titre. Ça veut dire qui ça? Donc, quatre dernières Jeux Olympiques qui fait dans le basketball masculin, c'est États-Unis qui remporte. Les États-Unis, en pile fois qui comptait sur les ténors, d'abord LeBron James a remporté les Jeux Olympiques, mais nous capables de dire dans dernier jeu qui était joué, et c'était dans l'année 2021 tout, mais appellation c'est 2020, Tokyo 2020, et donc y a une équipe qui était emmenée par Jason Tatum qui était dans l'équipe ça. Et Kevin Durant, lui-même qui a joué dans Phoenix Suns, c'est joueur équipe ça tout le temps, dans la période ça, il a remporté les Jeux Olympiques. Eh bien, nous connaissons pas mal de ténors. Et semaine dernière, moi, j'ai pris le soin avec nous pour nous dire comment gagner un pile ambition, bon côté joueur qui a évolué dans NBA, notamment les Américains ou les Américains naturalisés, pour nous montrer comment vous voulez rejouer les Jeux Olympiques là? Comment vous voulez kembe flambou? On a noté que les États-Unis ont 16 titres dans le basketball masculin dans les Jeux Olympiques. Il y a une période, ils ont été prenés même à 7 reprises. Et je suis capable de rappeler nous bien. Et je suis la première édition ça pour le basketball olympique. Bon côté, monsieur, je suis fait à Berlin, en Allemagne. États-Unis, c'est champion. Donc, États-Unis, c'est seul coq chanté. Mais je vais montrer nous tout que États-Unis, c'est. Et très énervé, notamment dans la Coupe du Monde qui fête. La Coupe du Monde qui fête récemment, il était remporté par l'Allemagne. L'Allemagne qui gagne Dennis Schröder, et dans la période d'actable dans Toronto Raptors. Eh bien, monsieur font déclaration récemment, il dit l'Allemagne, c'est une favori pour remporter la, pour remporter Jeux Olympiques. Ça. Jeux Olympiques, on a parlé de basketball masculin. Eh bien, tirage à l'y fête en Suisse, hier, à Miss. N'a noté un joueur important à l'époque pour les États-Unis. C'est un ancien joueur qui prend les Jeux Olympiques tout dans le basket. Oui, m'a noté c'est Carmelo Anthony. Carmelo Anthony qui était joué dans les Lakers et avant même l'y raccrocher et tennis li. Il était passé tout dans Denver. Et donc c'est une présence qui était gagnée hier comme américain dans tirage là, mais monsieur lui parlait dans micro la presse que le fait qu'on est que États-Unis c'est une grand favori pour remporter lui, mais seul doute qui gagne pour États-Unis remporter les Jeux Olympiques ça, c'est que
équipe allemande là qui était prend coupe du monde. Donc les États-Unis pas prend coupe du monde. Là. Même pour américains, c'est un dérespectant. Donc il a mettait toute formalité raison d'être. Ouais, des joueurs on a fait rappel là, c'est Steph Curry et LeBron James, Kevin Durant, Jason Tatum, Anthony Davis et donc monsieur Sayo voulait à tout prix jouer et Jeux Olympiques là pour les États-Unis. Donc en gros, nous ouais groupe yo sous écran, mais après dans le tirage qui a fait hier, la groupe A, il manquait deux mondes là-dedans. Il manquait deux équipes là-dedans. Nous avons Australie et Canada, il manquait deux. Donc il y a deux places vides, nous parlons de raison. Et puis il y a un groupe B qui manquait une. Il y a France, Allemagne, Japon, il manquait une pour compléter. Et dans le groupe C, il y a une Serbie, Soudan du Sud et les États-Unis, il manquait un pays qui pour compléter. Donc les Jeux Olympiques, ça après le fait avec 12 pays. Il y a 4 billets qui sont disponibles, mais nous prenons well. Et dans l'article et texte qui est publié sous ça, qui t'aime faire reconnaître, il y a un sigle que vous avez, qui c'est TQO ou bien TQO. Nous prenons well, qui est important pour vous et le grand public là, parce que là, il faut que ça le dit. Il veut dire tournoi qualificatif olympique. Tournoi qualificatif olympique, ça veut dire gagner une bagatelle de près de 12 et plus pays qui pral goumen pour 4 billets ça. Mais yo pral jouer li dans différents sièges. Ça veut dire Porto Rico gon siège, l'Espagne gagnoun, la Grèce gagnoun tout. Donc nous pral wè li. Et cap important pour vous et mais une fois pour toutes, c'est sûr que nous capable toujours une fois un rappel, même pas pral tourner en long et en large sous li. Parce que n'a pas noté basketball là l'a joué et à Paris et Paris gagne large ambition d'abord yo gagne pas mal de pions tout yo gon belle équipe et bon nous capable dit affiche là ou bien les n'a gardé des comparaisons individuelles et nous capable voir États-Unis devant yo gagne plus monde mais États-Unis gagne Wemby que yo vraiment compté sur lui son jeune qui vraiment a joué de façon unique pour San Antonio dans NBA ça bien que équipe pas parler dans playoffs et mathématiquement déjà éliminé mais nous capables rapidement tout parler de Rudy Gobert. Rudy Gobert qui raté pas mal de matchs, il s'est blessé récemment, soit mardi semaine dernière et hier fait 8 jours de blessure, il s'était frappé dans côte lisse, c'était un match Minnesota a joué contre Los Angeles Clippers. Mais là n'a noté dans qualification l'a joué du 2 au 7 juillet. D'abord, pour compléter le groupe A, nous capables rapidement parler de Espagne. Espagne qui gagne Angola, Bahamas, Finlande, Liban, Pologne qui pral jouer entre eux dans un tournoi qualificatif pour capable connaître qui est cap passé. Gagne Lettonie et qui a siège li équipe tout dans un groupe qui gagne Brésil, Cameroun, Géorgie, Monténégro, Philippines. Et puis gagne tournoi qualificatif tout 3 à Porto Rico. Porto Rico fait partie de l'équipe tout en compagnie de Bahreïn, Côte d'Ivoire, Italie, Lituanie et le Mexique. Et tournoi qualificatif 4 là qui a fait en Grèce, j'aime te dire nous, il y a la Slovénie, Croatie, République Dominicaine, Nouvelle-Zélande et l'Égypte. Donc ces informations nous allons pour aider cerner puis devant. Ou ap capable comprendre plus là nous te voulons faire une parenthèse parce que ça fait quelques jours que nous pas fait parenthèse et parler basket pour teaser basket yo donc nous connaît en gros yo toujours marché derrière lui mais n'a noté que les États-Unis nous croise une équipe qui plus titrée dans coupe du monde basket c'est donc 5 titres au total mais n'a noté que les États-Unis c'est le roi du basket mais en pile monde dit c'est par rapport à NBA à challenge lien qui fait ça. Entre-temps, il était important pour nous te passer sous lit parce que les Jeux Olympiques lui-même lui consacré pour tout pays dans le monde. D'abord Haïti, nous pas joué basket olympique, nous pas jamais arrivé qualifié, mais nous toujours participer dans quel que soit Jeux Olympiques là. Qui te font rappel parce que en pile froid et nous avons tendance à décourager compatriotes nous. Moi songe dans Jeux Olympiques qui étaient faits en 2016 au Brésil. En athlétisme, gagné Geoffrey Jules-Miss. Geoffrey Jules-Miss était participé dans 100 mètres haies. Eh bien, il a pas heurté premier haie, donc il a pas raté course là. Où qu'on est drôle de coïncidence. Hier et moi suivant pile sur réseau, gagne haïtien même
et cap souri qui content le fait que monsieur était réel, le fait que monsieur raté coup cela. Mais ça veut dire qui ça? Ça veut dire que pour moi même c'est état d'encouragement parce que c'est haïtien pareil moi. Et d'abord Jeffrey moi parler à monsieur en 2019 moi songe bien que m'étais à Jeffrey qui était représenté Haïti et à Jeffrey qui était représenté Haïti au jeu panaméricain qui était fait Pérou à Lima. Donc Pérou capable siège là très bientôt encore une fois, mais nous capable dire que c'est encourager athlète là, parce que les haïtiens perdu en compétition pour moi même c'est encourager lui parce que lui pas t'al représenter tête lui seulement, lui pas t'al représenter famille lui, mais là il représenter tout un drapeau, tout un pays. Donc ou même comme haïtien ou pas ca et ironiser lui ou grain dent pour ça, non mais pas comme ça, lui pas comme ça parce que les haïtiens perdu, donc c'est nous tous qui perdu. Là, on a ici mouri, moi-même tout me concerné par la mort parce que derrière la vie, la caille, moi tout parce qu'elle fait mal, parce que c'est son monde qui mourit. Je n'ai pas besoin de dire que le monde pareil, il y a un problème. Donc, on croit en matière d'éducation, c'est important pour nous travailler sur ça. Parce que nous prenons le malin plaisir, les compatriotes, nous, les gens qui habitent à représenter le pays, ou bien les haïtiens pareil, nous, les gens qui ont un problème, on dirait que nous comptons. Donc, ça, faut nous sortir dans la logique. Ça. Argentin, on ne comme ça, non? Bon côté Messi, il y a pas honte comme ça nous portugais, il y a pas comme ça Cristiano Ronaldo. C'est des monde que nous prenons comme modèle nous aimer, mais et me croit que faut nous encourager chaque athlète qui représente le pays a d'une façon ou d'une autre. Et dans quel que soit domaine, il est capable dans culture, il est capable dans sport, il est capable dans littérature pour ne citer ça au seulement. Donc me croit qu'il y a des corrections là caille pas nous pour nous porter parce que me pas qu'on a regarder étranger à nous comment il a ironisé moun la caille le représenter, mais nous même pas nous garder autrement. Donc moi t'ai voulu porter message ça pendant normalement nous dans jeux olympiques et n'a quitter nous pourquoi quitter jeux olympiques parce que grand pile parole qu'a parler notamment la France qui a un gros problème avec Thierry Henry qui c'est entraîneur équipe espoir là, ça veut dire équipe U23. Mais pour football jeux olympiques coach là gagne droit pour le prendre 3 joueurs qui ont plus que 23 ans. Thierry Henry fixe 3 joueurs. Il fixe joueur à Real Madrid là qui c'est Antoine Griezmann. Il fixe actuel joueur Paris Saint-Germain qui c'est Kylian Mbappé. Mais tout, il pensait à joueur qui a joué dans Milan ACA qui c'est Olivier Giroud. Ces 3 joueurs ça qui dans tête monsieur voulait à tout prix pour aller à joueur ça yo. Là que Real Madrid lui-même écrit la Fédération française de football pour dire lui-même, il n'a pas lâché aucun joueur pour la jouer Jeux Olympiques là. Et la France accueille Lille, d'accord, parce que en grande partie club là, il occupe une place importante dans la vie joueur là. Bien que en Espagne, il est différent parce qu'en Espagne, il y a une loi que depuis joueur là, sélection mandé pour lui dans quelle que soit compétition ou obligé lâcher. À moins que le blessé et on a des preuves pour fournir pour ça. Donc l'Espagne pas tape trop problème, c'est toutefois Thierry Henry, c'est l'Espagne que l'étape il tape sélectionné équipe U23, ça pas tape trop problème. Mais Didier Deschamps mettait bouche dans pile sauce tout, on dit ça. Il parlait là bien que Benzema qui te porte là ouvert et si toutefois Thierry Henry a fait appel avec lui pour venir dans sélection U23. Et donc, une chose qui est importante, c'est que Thierry Henry dit lui-même, et avec Staffly, il a compté écrit Real Madrid pour le capable de retourner sous décision. Mais, n'a pas noté, Jeux Olympiques, là, l'a fini dans le mois d'août. Coupe d'Europe, là, l'a fini dans le mois de juillet. C'est du 14 juin au 14 juillet. Mais il y a une grosse difficulté parce que le club là lui-même, après la saison, il y a l'autre saison qui a commencé en septembre. Donc il faut que les jeunes joueurs là, pour être capable de préparer la saison 1, ça nous est les préparations foncières là. Mais si toutefois, bon, surtout Kylian Mbappé, et il n'y a pas parlé, mais M. Refroidi, elle déjà, pas penser à Jeux Olympiques là parce que Real n'a aucun capable de mettre. Des joueurs tout pas penser avec lui, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, et Fernand Mendy qui a joué comme arrière gauche pour le Real Madrid. Donc, il n'a pas pensé normalement et à Jeux Olympiques là parce que Real dit le pape lâche les joueurs. Donc, nous capables de dire, il y a compté sur eux dans la Coupe d'Europe là, mais Jeux Olympiques là, pas d'accord. Mais Griezmann voulait à tout prix lui-même, si sentait le répondre pour jouer Jeux Olympiques là
pour la France. Ça veut dire la fin de la Coupe d'Europe et le pral jouer Jeux Olympiques. Bon, Jeux Olympiques, n'a pas noté, c'est un plus gros événement sportif sous la terre. Ou mettre parler de Coupe du monde football, ou mettre parler de championnat NFL qu'on fait, et ou mettre parler de toute l'autre compétition, mais Jeux Olympiques, parce que c'est gratin du sport. Donc c'est tout sport net qui l'a donné. Donc en gros, nous te voulons parler sous là sous lui pour nous te voir dans quelle difficulté que Thierry Henry a trouvé la sélection hein. Des joueurs qui pour gagner 23, malheureusement le club ne pas placé yo, et des joueurs tout qui yo même ont plus de 23 ans, ont difficulté. Mais en parlant de ça, on tout dit que Olivier Giroud, monsieur déjà t'a remis aller dans Los Angeles Galaxy, et Olivier Giroud m'croit déjà dans 37 ans. Donc monsieur t'assemblé pape Milan a c'est pas renouvelé monsieur n'a été cap venir monsieur veut aller dans Los Angeles Galaxy et c'est là déjà gagne un cinq compatriotes li et moun qui était qui champion du monde tout Hugo Lloris portier lui même qui déjà retrouvé li dans équipe Los Angeles là donc Aston Olivier Giroud pour venir donc dans championnat MLS là aux États-Unis. On nous voit ça, des blessures déjà multipliées. D'abord, Belgique vient pour jouer contre Irlande. Et dans le jeu qui vient là, donc Romelu Lukaku, monsieur forfait pour match là. Mais là, jouer prochain match amical là. Et monsieur a une surcharge musculaire. Donc, il est forfait pour match là. Donc, il est capable de jouer pour Belgique. Mais ce n'est pas seul monsieur qui a un problème au niveau des joueurs belges. Bien que nous connaissons Kevin De Bruyne, nous parlons de lui. Suite à blessure, mais après trêve internationale, je suis capable de retourner jouer pour Manchester City. Donc, il n'est pas grave. Là, je parle de Kevin De Bruyne. Mais gagné, il y a un coup dur pour Thibaut Courtois. Thibaut Courtois, normalement, il parlait de saison blanche. Je suis retourné pour l'entraînement avec Real Madrid. Mais lundi dernier, je suis écroulé sous terrain, je suis tombé sous terrain, je ne suis pas levé. Il a couru, venir pour monsieur. C'est en pleurs que monsieur a quitté terrain. Donc monsieur est normalement gon blessure rechuté et monsieur pral passer près de 6 semaines comptez moi. Donc monsieur pas capable pour Real malheureusement pour saison. Son saison monsieur raté net. Monsieur était blessé m'croit depuis août et année dernière et monsieur raté début saison net pour le Real Madrid et monsieur normalement c'est saison blanche. Pour Thibaut Courtois, l'information qui a circulé et Marca, en pile fois, a déjà publié pas mal de textes sous ça. Donc, malheureusement, pour Thibaut Courtois, pour le numéro 1 Real Madrid, là, que Real Madrid a out avec monsieur, il n'a pas compté sous lui. Bon, bien heureux, il y a un Ukrainien qui c'est Lunin, qui est pas mal, et il est toujours dans la cage là dignement. Et supporté également par le monde qui vient deuxième portier, c'est Kepa Arrizabalaga, qui c'est ancien portier qui t'a joué dans Chelsea. Donc en gros, c'est comme ça y est, blessure yo a multiplié et de temps à autre, ou ap capable gagner information sur ça qui pas déranger nous. Mais une nouvelle qui fait que Brésilien content, notamment fan Daniel Alves yo. Et bien Daniel Alves monsieur libéré sous caution mais il pourrait le payer 1 million d'euros. Il était déjà payé 150 000 euros, qui par contre est dans 1 million que Palbaï là. Il y a un avocat qui, hier, était dans le procès pour lui et lui demandait pour lui lâcher et client, qui c'est Daniel Alves. Nous songeons que tu es impliqué et dans la question de viol. Il y a une jeune fille de 23 ans dans un disco, ou bien une boîte de nuit, si nous voulons. Donc, monsieur a déjà passé un an et il a récemment condamné lui pour 4 ans et demi de prison. Et donc, Daniel Alves est libéré, mais il n'y a pas de pour payer 1 million d'euros. Et pour Daniel Alves, vraiment coup dur. Et monsieur perdu et crédibilité, il faut qu'on dise ça. Parce que monsieur était fait partie de légende. Et monsieur est dans le top 3 joueurs qui jouent plus de matchs pour FC Barcelone. Il a retiré monsieur dans le tableau légende. Là. Et monsieur était un statut au Brésil, tout. Il a retiré ça à côté de TIA. Donc, en gros, monsieur perdu toute sa gagne comme crédibilité, toute confiance que tu es capable de faire Daniel Alves. Donc, malheureusement, et tu es capable de faire toute vie honnête, tu fais bien, tu fais mon plaisir, mais tu es capable de pas pardonner pour lui. La loi est dure, mais c'est la loi, et c'est là que tu es prigé. Tu es un monde Daniel Alves qui, malheureusement,
et perdu en pile bagay que moun te pense de Daniel Alves. On nous avance pour nous et comment ça y est dans l'autre information qui concerne le football pour nous dire que gagner un nouvel entraîneur pour Lazio de Rome, c'est Igor Tudor, Coatla, ancien défenseur, nous te dit ça. C'était un nan moun qui était en pole position pour te remplacer Mauricio Sarri. Eh bien, chose dite, chose faite. Donc, monsieur, normalement, et pral gagner pour avancer, faire chemin avec Lazio de Rome. Et Lazio, nous connaît bien, qui gagne pas mal de joueurs. Mais comme ancien Marseille, Igor, lui pensait normalement à deux joueurs parmi youn. M'a cité là pour monsieur Vle gagner pour Tavini dans la zone de Rome, c'est Rongier qui c'est un champion important monsieur Vle à tout prix pour ta gagner service monsieur dans l'équipe là. Donc en gros c'est comme ça y est, bien que nous déjà connaît préparation saison pour le Real Madrid et le FC Barcelone yo ap aux États-Unis tout comme Manchester City, mais demain moi promets nous m'a venir plus en détail sur ça, ou bien plus d'informations sur lui pour nous Real Madrid cap jouer contre Barcelone dans et ETA dans affaire préparation compétition. On nous aller rapidement pour nous font parler et dans font comeback dans basketball, mais c'est pas jeux olympiques là, c'est basketball pays les États-Unis, car hier soir tu gagné pas mal de matchs qui étaient au rendez-vous côté gagnant et mon gars de match Denver Nuggets, Denver Minnesota Timberwolves, une équipe qui vraiment manquait Rudy Gobert qui était porté support lui quand même, j'étais présent à assister match là, chaque fois un rassemblement ou une nostalgie bon côté français là, mais hier c'était un match et dans le match en pile point 115-112 en faveur Denver emmené par MVP et finale saison dernière là on a parlé de Nikola Jokic le Serbe, et bien ouais marqué dans monsieur yon vrai professionnel, monsieur toujours tendu, sage, ça l'a fait sur terrain l'a fait li. Et hier monsieur était vraiment épaulé par Porter Junior qui pas d'un mauvais match, mais c'est 35 points 16 rebonds 2 passes pour Nikola qui fait un double qui était vraiment important, mais il Moure et tout qui était marqué 18 points, donc c'est un Denver qui te répond malheureusement et yo t'a mené 14 points de différence, équipe Minnesota a remonté mais yo t'a manqué ressources nécessaires parce que au plus a joué dehors contrairement à Independent. Et donc, en dedans, Denver est vraiment solide. Mais Edwards, c'est vrai que M. était proche en triple-double, 30.8 rebonds, il passe, mais ça n'a pas suffi. Il y a McDaniels, tout, qui était joué très bien. Mais joué très bien, ce n'est pas lui qui est important. Yogado joué très bien. Le plus important, c'est les. Pour Minnesota. Et mais Minnesota et Denver, n'a pas noté ces deux équipes jusqu'à présent qui gagnent place playoffs là. Et également Denver qui est même bien positionné. Mais il y a l'autre match qui était joué, notamment Orlando Magic qui t'a pris gagner Charlotte Hornets. Yon Orlando qui gagne 112-92. En bon mathématiques, ça fait 20 points de différence. D'abord, il gagne Anthony. Et pour l'équipe d'Orlando, qui t'a pas marqué 21 points, donc ça t'est suffi parce que l'équipe a te répondu avec Suggs, Pancello, Wagner. Et ensuite, Carter Junior, c'était vraiment de fer de lance pour Orlando Magic. Orlando, dans le temps, il t'a parlé en pile de lit, notamment avec Chucky, c'est ancien équipe Chucky O'Neal. Et également. Et Penny Hardaway qui était dans l'équipe ça, mais n'a pas noté en parlant de Chucky Yoni, mais également Steph Curry, et bien deux messieurs ça yo, yo collé ensemble pour être capable et travailler son documentaire pour un ancien joueur Philadelphia 76ers. N'a pas parlé de Allen Iverson qui t'a doué normalement jouer ça, mais n'a travaillé tout son statut qui t'a doué devant enceinte Philadelphia pour capable rendre grand hommage à Allen Iverson et Yuri l'homme corse, parce que monsieur normalement ou pas capable de faire plus belle corse que lui, mais malheureusement monsieur pas de prend basketball NBA et pas de prendre titre dans NBA, c'est vraiment des coups durs, mais ça arrive. Et des joueurs passés de présentation, moun remen, qui belle dans jouet, mais qui pas réussi pour un trophée dans la carrière, qui est important, mais ça n'a pas empêché que l'importance, monsieur Gagné, que vous continuez balili. Donc c'est ça qui est bon, et c'est ça qui est important. Donc jodi a, et on ouais combien match a gagné? Gagné à 7h Cleveland contre Miami Heat, Detroit, même là contre Indiana Pacers, et puis Boston.
et contre Milwaukee Bucks, c'est à 7h30, c'est un gros match qui annonce la couleur Asoya. Et puis gagner Golden State Warriors contre Memphis Grizzlies, c'est à 10h. Et ensuite Phoenix Suns contre Philadelphie, il a un gros match tout. Phoenix Suns amené par Kevin Durant et Devin Booker. Malheureusement, Joel Embiid, monsieur blessé, monsieur poco capable de tourner pour Philadelphie. Donc en gros, c'est qu'on s'allie, nous te voulons boucler sous notre ça. Nous faisons un premier carnet qui est tout à fait spécial, côté nous parler en pile. De Spalding, non, ballon orange là. Vous êtes content avec vous? C'était Richard Desrosiers. Merci également à Ado qui était coordonné avec nous à distance. Merci à Anste Élisée, Junior Saint-Ange. N'en parlons pas de Manelo Tadgrain qui mettait touche-li dans balance là. Merci à Jeff T. Joseph, mais également à Dalmi Aubergiste. Nous saluons tout le monde qui était connecté nous. C'était à cœur et joie pour nous te servir. Prochain carnet, 2h30, Jaco et Question Lamour. 7h30, Fred Andou. Pour l'autre premier carnet sportif, c'est pour demain jeudi. Pas déconnecté, on était content avec vous.